Ça a l'air d'aller. Encore 1 minute et c'est bon. Allez, c'est parti. Désolé pour le retard. Bien. Allez, on est à l'avant de son tapis, on est sur le tapis, les pieds joints, les gros orteils se touchent, les talons s'écartent légèrement. Bien, aujourd'hui, on va faire un mélange de postures. Debout et assis, comme ça reste toujours en Ashtanga, d'accord? On ne va pas faire Vinyasa, on reste en Ashtanga. Donc, c'est les postures que vous connaissez déjà. On va faire pendant 1 heure, pas plus. Et après, on va faire une vraie relaxation, hein, pour bien se détendre, pour bien dormir cette nuit. Bien, maintenant vous allez contracter les cuisses, remonter les rotules. Maintenant, levez les orteils. Écartez-les. Essayez de poser un par un au sol. Levez les talons, tirez la peau des plantes des pieds et reposez les talons au sol. Maintenant, pliez les genoux légèrement. Mettez le coccyx, non, tirez le coccyx, dirigez le coccyx vers le sol, rentrez le bas-ventre. Et maintenant, vous pouvez tendre les jambes, engager les cuisses, rotation interne des cuisses, le bas-ventre serré, enroulez les épaules une fois, collez les omoplates dans le dos, activez les bras, activez les doigts. Baissez le menton. Faites des inspirations, expirations longues et profondes. Vous allez prolonger de plus en plus votre respiration. Au bout de 2-3 respirations, on va s'engager à faire respiration, inspiration en 4 temps, expiration en 4 temps. Uniquement par le nez. Maintenant, dernière fois, tout le monde en même temps. Inspirez en 4 temps, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et expirez en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Inspirez, levez les bras. Étirez-vous au maximum, expirez, relâchez les bras, relâchez la tête. Montez les épaules vers les oreilles. Relâchez. Inspirez, levez les bras. Étirez-vous, expirez, relâchez les bras, relâchez la tête. Inspirez, montez les épaules. Expirez, relâchez les épaules. Maintenant, enroulez les épaules une fois en arrière, une fois en avant. Inspirez, levez les bras. Étirez-vous. 5 respirations. Rentrez le bas-ventre.
Et maintenant, penchez-vous en avant, dos plat, buste parallèle au sol. Vous faites plier les genoux si vous voulez. 5 respirations. Maintenant, regardez le sol, allongez la nuque, les bras tendus. Gardez le dos plat, essayez de vous pencher un peu plus. Et vous n'en pouvez plus, posez les mains au sol. Relâchez la tête, relâchez le buste, pliez un genou après l'autre, un genou après l'autre. Pendant 5 respirations. Et sur une inspiration, vous allez ouvrir la cage thoracique, ouverture du cœur, le bout du doigt au sol, plier les genoux légèrement pour avoir un dos plat et regarder le sol. 5 respirations. Rentrez le ventre. Les épaules en arrière. Bien, posez les paumes de main au sol, mettez vos pieds en arrière. Vous êtes en planche. Si vous êtes fatigué, posez les genoux au sol, sinon vous restez en planche, 5 respirations. Allongez la nuque, ne levez pas la tête, regardez le sol. Posez les genoux au sol, restez. Maintenant, pliez les coudes. Alors, les coudes ne s'ouvrent pas, d'accord? Coup de pied au sol et sur une inspiration, cobra. Les coudes restent pliés, pubis au sol, 5 respirations. Ne levez pas la tête, regardez juste devant vous. Mettez les épaules en arrière. Et les fessiers sur les talons. Allongez la nuque, allongez le dos, allongez les bras. Prochaine expiration. Chien tête en bas, écartez les doigts. Bien un genou après l'autre, un genou après l'autre. Les bras restent tendus. Pendant 5 respirations. Bien. Tendez les jambes. Levez les talons. Appuyez fort sur le sol avec vos mains. Poussez les fesses en arrière. Maintenant, vous avez le droit d'arrondir le dos pour marcher les jambes tendues vers les mains. Nous avons le dos rond. Alors, restez 5 respirations pendant avec les jambes tendues. Bien, inspire, dos plat, les épaules en arrière. Expire, on attrape les chevilles par derrière. Vous pouvez plier les genoux, coller les cuisses contre votre buste. Et puis, sur une expiration, on essaie de tendre les jambes et sur la tête au sol. 5 respirations. Et 5, inspirez, levez les bras, le buste, regardez vos mains, penchez-vous un petit peu en arrière, revenez au centre, penchez-vous sur le côté droit, revenez au centre, côté gauche, revenez,
Et relâchez les bras. Inspirez, levez les bras. Expire, pose les mains au sol. Encore une fois. Allez, les pompiers, les genoux. 1, 2, 3, 4. Maintenant, pliez les deux, tendez les deux. Pliez les deux, tendez les deux. Relâchez la tête. Juste utilisez les cuisses, tendre les jambes. Maintenant, tendez les jambes. Relâchez la tête, relâchez le buste. Inspire, dos plat, les épaules en arrière. Sur une expiration, on met les mains, les pieds en arrière. Vous êtes en planche. Posez les genoux. Maintenant, avancez un petit peu le buste. Donc, les épaules dépassent un petit peu vos poignets. Les bras tendus. Maintenant, pliez les coudes vers l'arrière, pas sur le côté. Avancez encore plus le buste et posez le pubis au sol, coup de pied au sol. Vous êtes en combat. Les épaules en arrière, allez, poussez les épaules en arrière. Ouvrez la cage thoracique. Et prochaine expiration, chien tête en bas. 5 respirations. Maintenant, tout le monde, pliez les genoux, levez les talons. À pied fort sur le sol avec vos mains. Poussez les fesses en arrière et en même temps vers le haut. Maintenant, descendez les talons vers le sol. 5 respirations. Et 5. Levez les talons, gardez les jambes tendues. Et maintenant, marchez avec les jambes tendues vers le haut. Inspire, replant les épaules en arrière. Expire, relâche la tête, relâche le buste. Inspire, lève les bras, le buste, regarde tes mains. Penche à droite. Penche à gauche. Encore à droite. Et encore à gauche. Encore une fois. Droite. Et gauche. Revenez au centre, en arrière. Je reviens en avant, en arrière, encore une fois, en arrière, et je reviens, je relâche. Allez, on va aller un petit peu plus vite. Inspirez, levez les bras, expire, pose les mains au sol. Inspire, donc là, les épaules en arrière, expire, je saute, je marche. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut, ce n'est plus cobra. Expire, chien tête en bas. Directement les jambes tendues si on peut. Si on peut. Sinon, gardez les jambes pliées. Par contre, le dos, c'est toujours bien étiré, bien plat. Allez, 5 respirations. Relâchez la tête. Regardez vos pieds. Levez les talons, tendez les jambes si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez arrondir le dos et marcher avec les jambes tendues vers l'avant. Et tout de suite, au moment où on inspire, on ouvre la cage. Expire, relâche la tête. Inspire, lève les bras, les muscles. Expire. La dernière. Inspire, lève les bras. Expire, on se penche en avant, on pose les mains au sol. Inspire, dos plat, les épaules en arrière. Expire, je saute. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, les jambes pliées, talons levés, à pied fort sur le sol avec vos mains. Mettez les fessiers en arrière maintenant. Posez les talons au sol si vous pouvez. Sinon, gardez les genoux pliés. Relâchez la tête. 5 respirations. Votre levant ventre, rotation interne des cuisses. Rotation externe des bras. Et 5. Levez les talons, tendez les jambes si ce n'est pas déjà fait. Dos rond. Marchez avec les jambes tendues. Inspire, dos plat, les épaules en arrière. Expire, relâche la tête. Inspire, les bras, les bustes. Expire, Tadasana.
Salutation B, on va faire trois fois. Pliez les genoux. Inspire, Utkatasana, la chaise. Expire, pose mon sol. Inspire, donc là, les épaules en arrière. Expire, je saute, je marche. Gardez, restez en planche. Maintenant, les épaules dépassent les poignets. Poussez le buste en avant. C'est maintenant qu'il faut plier les coudes. Inspire, chien tête en haut. Les épaules en arrière. Expire, chien tête en bas. Restez. Levez votre pied droit. Vous mettez derrière la langue droite. Posez directement le talon gauche au sol. Inspire, lève les bras, le buste, regarde tes mains. Bassin de face, cuisse droite parallèle au sol. Expire, pose la main au sol. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Restez au moins une respiration. Et maintenant, levez votre pied gauche et ramenez la cuisse gauche collée contre votre buste et posez le pied gauche derrière la main gauche. Posez le talon droit au sol. Inspire, lève les bras, le buste, regardez tes mains. Guerrier numéro 1, bassin de face. Et sur l'expiration, on se penche en avant, posez les mains au sol. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Et 5. Levez les talons, tendez les jambes, dos rond. Marchez avec vos jambes tendues. Inspire, dos plat, les épaules en arrière. Expire, relâche le buste. Plie les genoux. Inspire, Utkatasana. Regarde tes mains. Rétroversion du bassin. Expire, Utkatasana. La deuxième. Avant-dernier. Plie les genoux. Inspire, Utkatasana, la chaise. Expire, pose mon sol. Inspire, dos plat, les épaules en arrière. Expire, je saute. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Restez. Levez votre pied droit, vous mettez derrière la main droite. Posez le talon gauche au sol. Dos plat. Et remontez avec un dos plat. Levez les bras. Guerrier numéro 1. Expire, posez-le au sol. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Levez votre pied gauche. Et vous mettez derrière la main gauche. Posez le talon droit au sol. Donc là. Et remontez avec les bras, le buste. Regardez vos mains. Expire, posez-le au sol. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Relâchez la tête, bras tendus. Levez les talons et marchez avec les jambes tendues. Inspire, dos plat, les épaules en arrière. Expire, relâche la tête, relâche le buste. Inspire, plie le genou, Utkatasana à la chaise. Expire, Utkatasana. Allez, on va faire la dernière. La dernière, Vinyasa, la dernière salutation B. Allez, on plie les genoux. Inspire, Utkatasana à la chaise. Expire, pose le sol. Inspire, donc là, les épaules en arrière. Expire, je saute ou je marche. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut.
Expulsion de tabac. Laisse deux respirations. Levez votre pied droit, vous mettez le pied à la main droite. Talon gauche posé au sol. Inspire. Ouvre les bras. Lève les bras, regarde tes mains. Expire, pose les mains au sol. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Deux respirations. Vous avez votre pied gauche et vous mettez derrière la main gauche. Posez le talon droit au sol. Inspire, lève les bras, les muscles. Expire, pose les mains au sol. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien, tête en haut. Expulsion, tête en bas, 5 respirations. Levez les talons, tendez les jambes et marchez avec les jambes tendues. Inspire, dos plat, les épaules en arrière. Expire, relâche le buste. Pliez les genoux, Utkatasana, la chaise. Expire, relâchez. Bien, mettez les mains à la tête, écartez les pieds à la largeur de votre bassin. On va faire seulement une fois. Donc, dès maintenant, vous choisissez où vous venez, vous mettez. Ou vous attrapez les gros orteils, première option. Deuxième option, vous mettez les mains sous les pieds. Troisième option, on va attraper les talons derrière. Mais quand j'attrape les talons derrière, vous pouvez fléchir les genoux tant que vous voulez. Quand j'attrape les talons par derrière, si mes avant-bras sortent, ne se cachent pas derrière les mollets, ce n'est pas la peine. D'accord? Gardez les jambes pliées. Bon, c'est du français, c'est bon? On a compris? OK. Mettez les mains à la taille. Vous avez trois options. La dernière, c'est la plus difficile. Allez, on inspire, on s'étire. On expire, on se penche en avant. Maintenant, d'abord les jambes tendues avec un buste parallèle au sol. Regardez le sol. Maintenant, vous allez plier les genoux. Gardez le dos toujours plat. Posez le bout des doigts au sol. Choisissez vos options. Pliez les genoux tant que vous voulez. Allez, je vais essayer de faire la dernière option. Vous voyez, mes avant-bras sont cachés derrière le mollet. À partir de maintenant, j'essaie de lever les fesses pour tendre les jambes et sommer la tête vers le sol. 5 respirations. Si les jambes ne sont pas tendues complètement, ce n'est pas grave. Mais il faut que ça travaille. Et 5. Et maintenant, libérez les mains. Posez les mains devant vous. Faites un dos plat. Les jambes pliées. Maintenant, tendez une jambe, tendez l'autre jambe, gardez le dos plat. Marchez avec vos mains sur le côté droit. Revenez au centre. Marchez avec vos mains côté gauche. Venez au centre. Mettez les mains à la taille. Inspirez, montez le buste. Et joignez les pieds. Bien. Uttita Trikonasana. Pieds parallèles. Rentrez le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Ouvrez votre pied droit 90 degrés. Vérifiez bien que les talons sont sur la même ligne.
Rotation externe de votre cuisse droite. Si besoin, vous aidez avec votre main droite. Poussez la fesse droite vers le talon gauche. Maintenant, ouvrez les bras. Regardez votre main gauche. Et on se penche d'abord à gauche un petit peu. Allez, on se penche un petit peu à gauche. Et maintenant, je m'étire sur le côté de mon côté droit. Et je pousse la fesse en arrière et je viens attraper le tibia ou le sol, comme vous voulez. Poussez la fesse droite vers le talon. Ouvrez la cage. Maintenant, la main gauche vient chercher votre jogging ou votre cuisse, comme vous voulez. Pourquoi? Eh bien, on ouvre un peu plus. Regardez le plafond. Gardez la main gauche où se trouve. Maintenant, vous allez tout bon. Si besoin, vous pliez les genoux, le genou droit. Posez la main droite au sol. Maintenant, vous allez passer le bras droit sous la cuisse droite, plier la jambe droite. Maintenant, tendez la jambe droite. Allez, les deux jambes sont tendues. Si on peut, bien sûr. 5 respirations. Et relâchez. Regardez le sol. Et faites un cercle avec votre bras gauche. Ouvrez les bras. Tournez votre pied droit. Entrez vers l'intérieur. Et pied gauche, 90 degrés. Encore une fois, vérifiez que les talons sont sur la même ligne. Bien. Posez la main gauche sur la cuisse si nécessaire pour faire une rotation externe avec la cuisse gauche. Regardez votre main droite. On se penche un petit peu à droite. Je lève le bras gauche, j'ouvre le côté gauche. Et maintenant, sur l'expiration, je viens chercher le talon, pardon, le tibia gauche. Okay. Première étape, on va rester un petit peu comme ça. Et maintenant, la main droite vient chercher ou le jogging ou alors la cuisse. Ça dépend de chacun. Voilà. Ouvre la cage davantage. 3 respirations. Posez la main gauche au sol. Pliez la jambe gauche. Passez le bras gauche sous la cuisse. Et venez chercher la main par derrière. Maintenant, on essaie de tendre la jambe gauche. Si on ne peut pas, ce n'est pas grave. 5 respirations. Et 5, relâchez. Regardez le sol, faites un cercle avec votre bras droit. Pieds parallèles, levez les bras. Posez les mains à la taille. Maintenant, tournez. On attrape les coudes par derrière ou namaskar, comme vous voulez. Namaskar, c'est quoi? C'est de faire la... Voilà, exactement. C'est ça. Allez, on inspire. Donc, le bassin de face. On inspire, on s'étire et sur l'expiration, on se penche en avant. Juste parallèle au sol, vous restez 5 respirations. Poussez la fesse droite en arrière. Descendez un pied un peu plus. 5 respirations encore. Maintenant, vous allez relâcher les bras. Vous allez poser la main gauche au sol. Et maintenant, si c'est dur pour vous de poser la main au sol, vous mettez sur votre tibia. Et pour les autres, vous marchez avec votre main gauche. Vous mettez carrément la main gauche au sol à l'extérieur de votre pied. Si c'est facile pour vous, levez les bras. Sinon, gardez la main à la taille, 5 respirations.
Et revenez. Gardez les mains au sol. Vous avez dos plat. La jambe droite, les deux jambes sont tendues. 5 respirations. Et puis faites un cercle avec votre bras gauche. Vous êtes debout, levez les bras. Mettez les mains à la taille. Et tournez à gauche. Donc, les mains à la taille. Bassin de face d'abord. Donc, on vérifie que le bassin il est bien de face. Bien. Maintenant, ou on fait Namaskar derrière, ou on attrape les coudes. Comme vous voulez. Bassin reste de face. On inspire et sur l'expiration, on se penche en avant. Donc, buste parallèle au sol, 5 respirations. Poussez la fesse gauche en arrière et la fesse droite vers l'avant. Les deux jambes sont tendues. Si vous devez plier une jambe un petit peu, ça sera jambe gauche. Maintenant, on descend encore plus. 5 respirations. Posez les mains au sol, marchez avec vos mains sur le côté gauche. Mettez la main gauche à la taille. Donc, si c'est difficile pour vous, vous mettez la main droite sur le tibia. Et maintenant, levez la main gauche si vous pouvez. Sinon, gardez la main gauche à la taille. 5 respirations. Poussez toujours la fesse gauche en arrière. Et 5, revenez, posez les mains au sol. Ne changez rien. Dos plat. 5 respirations. Et faites un cercle avec votre bras droit. Et venez à l'avant de votre tapis. Ok, maintenant. Au choix. Ça dépend si vous avez un mur. Regardez. Cinq respirations. Et après, si possible pour vous, vous descendez. Chaturanga Dandasana, fais tête en haut, fais tête en bas. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous faites un vinyasa normal. Salutation A. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, moi je le fais. C'est à vous de le faire maintenant. Cinq respirations. Allez, on va essayer pour la prochaine fois pour ceux qui n'y sont pas arrivés. Donc, revenez. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Bien. Encore une fois, on ouvre les bras. Tournez votre jambe droite. Oui. Vous allez plier votre jambe droite. On est en guerrier numéro 2. Regardez votre main droite. 5 respirations. Maintenant, posez la main gauche sur la cuisse.
guerrier inversé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La poitrine va vers le plafond, le regard aussi, mais par contre, le bassin ne bouge pas. Allez, on glisse la main gauche, paume de main vers toi, la main droite. La main droite vers toi. Donc, le bassin reste, c'est que la poitrine qui va. Ok, maintenant, levez les deux bras et vous allez poser le coude sur la cuisse droite. Le bras gauche au-dessus de l'oreille. Si c'est facile pour vous, posez la main droite au sol. Une fois que la main droite est au sol, vous passez le bras par-dessous et ouvrez la cage. 5 respirations. Cuisse parallèle au sol. Bien, relâchez. C'est pas fini. Posez le morceau. Levez les talons. Levez le talon gauche. La jambe droite reste toujours pliée. Marchez avec vos mains vers l'extérieur. Gardez la main gauche au sol. Si vous ne pouvez pas, vous faites la namaskar avec la main. D'accord? Vous connaissez cette posture. Sinon, vous posez la main gauche au sol ou sur une brique. Élevez le bras au-dessus de l'oreille. Et 5. Posez les mains au sol. Et faites un cercle avec votre bras gauche. Posez les mains à la taille. Les jambes écartées. Ouvrez les bras. Entrelacez les doigts derrière dans le dos. Inspire, étire-toi. Expire, on se penche en avant. Laissez les épaules venir vers les oreilles. Et étendez les bras. 5 respirations. Les jambes tendues si vous pouvez. Et revenez, posez les mains sur le dos, inspire. Je monte le muscle. Posez, relâchez les bras, posez les mains à la taille. Tournez votre pied gauche, 90 degrés. Pliez votre jambe gauche. Ouvrez les bras. Attention, le genou gauche ne doit pas rentrer à l'intérieur. Regardez votre main gauche, guerrier numéro 2. Posez la main droite sur la cuisse. Tournez les paumes de main vers le ciel. Guerrier inversé. Glissez la main droite. Maintenant, le bassin reste de face, mais par contre, la poitrine tourne vers le plafond. 5 respirations. Et levez les bras. Descendez un peu plus maintenant. Posez le coude gauche sur la cuisse. Ok, ça, c'est votre version simple. Ceux qui veulent, posez la main gauche au sol, passez le bras gauche sous la cuisse et maintenant attrapez la main par derrière et ouvrez le buste, la jambe arrière tendue. 5 respirations. Et 5, relâchez, regardez le sol, levez le talon droit, gardez la cuisse droite parallèle au sol, inspirez un peu,
cuisse gauche parallèle au sol. Maintenant, marchez avec vos mains vers l'extérieur de votre pied droit. Si c'est compliqué pour vous, vous faites pied gauche. Si vous êtes c'est compliqué pour vous, vous faites ça. Sinon, la main droite à l'extérieur de votre pied gauche au sol. La main gauche, ça peut être à la taille ou au-dessus de l'oreille. 5 respirations. Et revenez. Regardez le sol. Faites un cercle avec votre bras droit. Venez à l'avant de votre tapis. Relâchez les bras. Ok, comme tout à l'heure. Vinyasa normal ou alors contre le mur. Je vais vous expliquer un truc pour ceux qui montent contre le mur. Parce que j'ai vu Roberto, mais j'ai pas vu. Non, je sais pas. Ah ben, en fait, non, je ne sais pas qui c'est. En fait, j'ai vu quelqu'un qui n'y arrivait pas. C'est parce que il ne faut pas monter avec les jambes pliées. Pour monter sans élan, déjà il faut monter vraiment pas vraiment trop d'élan. Bien sûr, il faut en prendre un petit peu. Au début, on prend de l'élan, ok. Mais il faut que les jambes soient tendues. Les deux jambes soient tendues. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Donc, ceux qui n'arrivent pas à faire ça, vous faites un vinyasa normal, c'est-à-dire salutation A. Et puis, on se met sur le sol, d'accord? Assis. Voilà, donc, vous en fait, entre le mur et les mains, il y a à peu près ça. D'accord? Je mets la main ici. Ça, c'est le mur. Il y a ça. On s'éloigne du mur, d'accord? On ne colle pas les doigts au mur. Voilà, comme ça. On est là. Regardez comment je vais tendre les jambes. Regardez. Je tends les jambes et ça monte. 5 respirations. Maintenant, vous pliez une jambe et vous allez descendre en Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On plie les genoux de la tête en sautant entre les mains. Et on est assis. Bien. Allongez les jambes. Je vais tout voir le temps d'avant. Je vais ici. Même du tout aussi. Je descends un peu. Ok, on est assis. Attrapez les cuisses. Une cuisse, n'importe laquelle. Vous tournez vers l'intérieur. Allongez cette jambe-là. Après, attrapez l'autre. Vous faites une rotation interne et tendez l'autre. Les gros orteils se touchent, les talons s'écartent, comme si on était debout. Les jambes tendues. Alors, pour que ça fasse moins mal au niveau de la cuisse, il faut vraiment contracter l'arrière-cuisse. Là, cette partie-là, l'arrière, il faut contracter, coller contre le sol. Vous allez voir que ça fait moins mal. OK? On arrive à descendre un peu plus. Maintenant, attrapez les fesses. Hop, tirez la peau des fesses vers le haut. Écartez les ischions. Posez les mains sur les bouts de doigts, paume de main. Ça dépend de chacun. Rentrez le bas ventre. Baissez le menton. Dos bien plat, comme si vous étiez contre un mur. Vous pouvez même mettre contre un mur si vous avez envie. 5 respirations.
Bien. Inspirez, levez les bras. Donc, attention, on va faire seulement une fois. Au choix, ou les gros orteils, ou tranche extérieure des pieds, ou alors on entrelace les doigts devant les pieds. Allez, au choix, c'est parti. On inspire, on s'étire, on expire, on se penche en avant. Dos plat. Dans tous les cas, on garde le dos plat. Et donc, moi, j'attrape les tranches extérieures. Ouvre la cage et sur l'expiration, je me penche en avant. Je ne lâche pas la tête complètement. Je ne lève pas non plus. J'allonge la nuque. 5 respirations. Allez, contractez la cuisse, l'arrière-cuisse. Collez les genoux, l'arrière-genou au sol. Et inspire, ouvre la cage, les épaules en arrière. Et expire, tu relâches. Tu mets les mains derrière sur le sol, derrière toi. Les jambes tendues. Contractez les cuisses, remontez les rotules, pieds pointe. Et sur une inspiration, je lève les fesses et je lâche la tête. 5 respirations. Et revenez. Vinyasa. Maintenant, on va, avant de faire la chandelle, mettez-vous, si vous n'êtes pas à l'aise, mettez-vous sur un coussin, sur n'importe quoi, sur un support, parce qu'on va s'asseoir, sur le sol, d'accord, comme ça. Voilà, ok. Allez, c'est parti. On allonge la jambe gauche. Vous n'êtes pas obligé de prendre un support. Si vous avez les fesses qui touchent le sol, ce n'est pas la peine. Si vous avez mal aux chevilles, prenez, asseyez-vous sur quelque chose. Bien. Maintenant, soyez tout le monde. Ok. Attrapez le genou droit. Levez le genou et reposez au sol. Vérifiez bien que les 5 doigts, les 5 orteils touchent le sol. 5 orteils. Et le coup de pied. Ok. Donc, on dirait que tout le monde, ça va. Inspirez, levez les bras. Avant de descendre, contractez l'arrière-cuisse. Allez, contractez au maximum. Et expire, on se penche en avant. N'oubliez pas la contraction de vos cuisses, rotation interne de votre cuisse gauche. Et venez chercher le pied gauche. Inspire, les bras tendus. Ouvre la cage thoracique. Et expire, on se penche en avant. 5 respirations. Et 5. Inspire, ouvre la cage, tends les bras. Et expire, tu relâches. Ok, c'est pas fini. Pliez votre jambe gauche. Attrapez avec les deux mains. Non, comme ça, devant. La jambe droite ne bouge pas, excusez-moi. La jambe, ça reste coincée. On attrape et on tend la jambe. On ramène vers soi, 5 respirations. Allez, le dos plat, c'est ce qu'on veut. Gardez le menton vers la poitrine. Redressez le dos, 5 respirations. Maintenant, la main droite, tranche extérieure de votre pied gauche. Vous posez la main gauche derrière. La jambe reste tendue, le dos toujours étiré. Regardez derrière vous.
5 respirations. Et relâchez. Très bien. Allongez la jambe gauche et allongez la jambe droite. Bien. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Pliez votre jambe gauche. Vous êtes assis sur les fesses, sur le sol, sur les ischions. On appelle ça comme vous voulez. Les 5 orteils touchent le sol. Les talons, c'est à l'extérieur, d'accord? On n'est pas assis dessus. Je n'arrête pas de répéter parce qu'il y en a beaucoup. Vous êtes assis sur les talons. Maintenant, j'attrape le genou gauche. Je monte le genou gauche et je repose au sol. OK? Rotation interne de votre cuisse droite. J'ai entendu. Contractez au maximum la cuisse. Inspirez, levez les bras. Et expirez, on se penche en avant. Dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat. Toujours dos plat. Et je viens chercher toujours le dos plat. Ouvre la cage et sur l'expiration, je me penche en avant. 5 respirations. Ne levez pas la tête. Inspire, tend les bras, regarde le sol à de quelques mètres loin et relâche. Maintenant, tu plies un petit peu la jambe droite. La jambe gauche, ça ne change pas. On attrape avec les mains. Je tends la jambe droite. Je redresse mon dos. Si la jambe ne tend pas, ce n'est pas grave, mais redressez bien votre dos. C'est le plus important. 5 respirations. Rentrez le menton. Bien, maintenant, avec la main gauche, attrapez la tranche extérieure de votre pied droit. Posez la main droite au sol. Toujours redressez bien le buste. Et tournez à droite, le plus loin possible. Tournez. 5 respirations. Et revenez, relâchez. Vous mettez votre jambe droite en arrière. Directement, vous passez à Chaturanga Dandasana Vinyasa. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et marchez, marchez, marchez et sautez. On va faire la dernière torsion avant la chandelle. Et après, c'est la détente. D'accord? La dernière posture de torsion. Allongez les jambes. Pliez votre jambe droite. Posez la main gauche au sol. Ça va tout le monde? Ça, on se rappelle maintenant. On sait ce que c'est. Bien. Venez chercher tranche extérieure de votre pied gauche avec la main droite. Maintenant, descendez un peu plus vers le talon. Comme ça, ça vous permet de descendre un peu plus le muscle. Maintenant, la main gauche par-dessus. Croisez. Pliez les coudes, penchez-vous le plus possible. Maintenant, libérez la main droite et entourez le genou droit avec la main, avec le bras droit. Restez toujours en bas. Juste descend vers l'avant. On se penche en avant. 5 respirations, c'est maintenant. Bien, redressez le buste, ne changez rien. Et maintenant, tournez à gauche. On est assis sur les deux fesses, attention. 5 respirations.
Et 5, revenez. Relâchez tranquille. Allongez votre jambe droite. Bien, pliez votre jambe gauche. Posez la main droite au sol. Vous pouvez lever la fesse gauche. Venez chercher tranche extérieure de votre pied droit. Vous pouvez plier la jambe droite si vous voulez. Bien. Après, c'est la main droite qui vient par-dessus et la jambe tendue. Ou pas, comme vous voulez. Allez, on allonge le buste au maximum. Maintenant, on libère votre main gauche. Contournez le genou avec la main, avec le bras, et la main droite vient chercher par derrière la main gauche. Et on reste penché en avant. 5 respirations. Bien, redressez le buste. On est assis sur les deux esquions, d'accord? Et maintenant, 5 respirations sur le côté. Et relâchez. Croisez les jambes. Vinyasa. Et hop, on saute. Bien. Allez, on fait la chandelle et après c'est terminé. Donc, c'est parti pour la chandelle. Ça va, tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. Hop. On est sur le dos. Prenez appui sur le sol avec vos mains. Et hop. Soutenez votre dos. Allez, rotation interne des cuisses. 10 respirations. Bien, maintenant, vous descendez les jambes tendues derrière la tête au sol. Entrelacez les doigts et essayez de poser les mains au sol avec les doigts entrelacés, bien sûr. Maintenant, pliez les genoux, collez contre les oreilles. Maintenant, supportez le dos pour tendre les jambes. 5 respirations. Et croisez les jambes en tailleur ou lotus ou demi-lotus. Attrapez les genoux avec vos mains. 5 respirations. 10 respirations.
Maintenant, collez les genoux contre le visage. La posture de fœtus. Vous pouvez entrelacer les coudes, si vous voulez. Bien, gardez les jambes croisées, mettez les mains sur le dos. Maintenant, vous pouvez descendre vertèbre par vertèbre. Bien, posez les mains sous les fesses. Et levez les bustes à l'aide de vos coudes et relâchez la tête, sommet de la tête au sol. Et on reste. Remontez encore une fois les bustes. Allongez les jambes. Donc, les jambes sont tendues. Pieds pointent. Et maintenant, ouvrez la cage. Et encore une fois, sommet de la tête au sol. Maintenant, si vous pouvez libérer les mains, levez les bras et les jambes. 5 respirations. Et relâchez. Ramenez les genoux contre la poitrine. On bascule en avant, en arrière, 10 fois. Le front, c'est vers le genou, d'accord? Quand on roule, la tête ne touche pas le sol. Et on revient pour faire Vinyasa. Bien. Et bien, on est assis, on a terminé. Presque. On va faire les derniers. On est assis en tailleur. On attrape les coudes derrière dans le dos. Et on lâche la tête et après le reste. On arrondit le dos. Et redressez le buste. Étirez toute la colonne vertébrale, les épaules en arrière, ouvrez la cage, rentrez le bas-ventre, relâchez la tête. 10 respirations. Bien, mettez les mains au sol derrière vous. Ouvrez la cage, lâchez la tête.
Et revenez, c'est le dernier vinyasa de la journée. Sauf si vous prévoyez un autre cours de yoga ce soir. Et hop, bien. Alors, je vais me mettre comme ça. Est-ce que tu peux... Je vais déjà le prendre. Voilà, comme ça. Ok, allongez-vous sur le dos. Allongez-vous sur le dos. Tranquille. Confortablement. Ok, les pieds écartés comme vous le voulez. Il faut que vous soyez confortable dans votre sur le sol. Récupérez votre respiration d'abord. Vous récupérez votre respiration. Prenez moins de temps pour inspirer que pour expirer. À partir de maintenant, la respiration est naturelle. Oubliez la respiration qu'on a fait depuis le début du cours, où j'ai pranayama. D'accord? On oublie. Là, reprenez une respiration normale, qui est propre à vous. C'est ça qu'on dit? Oui, qui vous est propre. Qui vous est propre. Maintenant, je vais vous demander. Alors, les bras ne sont pas trop écartés, d'accord? Mais vraiment, soyez confortables. Voilà, relâchez les bras. Ça tombe comme ça tombe. Ne forcez pas à tourner les paumes de main vers le ciel. D'accord? Relâchez. Donc, maintenant, on va faire une petite observation. Comment vous êtes allongé sur le sol? Les points d'appui. Les talons, les mollets, arrière-genoux et le bassin. Est-ce que vous voyez une différence entre côté droit, la jambe droite et la jambe gauche? Est-ce qu'il y a une différence entre votre pied droit et le pied gauche? La façon comme il se s'ouvre sur le côté. Essayez de sentir la différence. Maintenant, plus haut, comment vos mains, le point d'appui de vos mains, les coudes, et les épaules, comment vous les sentez? Les points d'appui de sacrum. Au niveau du dos. Quelle partie de votre dos ne touche pas le sol? Maintenant, observez entre la tête et les omoplates. Quelle partie de quel endroit de cette partie du corps ne touche pas le sol? Maintenant, je vais vous demander d'imaginer anatomiquement toute la colonne vertébrale de la tête jusqu'au coccyx. C'est coccyx, non? La tête. Ok. Non, c'est le sommet du crâne. Maintenant, vous allez
Pliez les jambes. Les pieds à plat au sol, sans effort. Vous allez pousser le genou droit vers l'avant. Pour lever le bassin. Et redescendez. Allongez la jambe gauche. Laissez tomber votre jambe gauche naturellement. Vous prenez 5 temps pour lever le bassin. 5 temps pour descendre. Il ne faut pas que la jambe gauche tombe sur le côté droit ou gauche. Va vers le plafond et vers l'avant. D'accord? Prenez votre temps. Levez le bassin droit, mais c'est avec un appui de votre pied droit que le bassin se lève. Redescendez. Maintenant, vous allez plus en plus loin pour sentir, pour voir votre tête jusqu'où cette action peut bouger votre tête. Normalement, la tête roule vers le côté droit si je lève le bassin droit. Mais ce n'est pas moi qui tourne, c'est mon appui de pied droit. Et je redescends. Je répète ça. Encore deux fois. Allez, c'est encore. Appuyez avec vos pieds, votre pied droit. Levez le bassin. Laissez votre tête bouger. Votre tête tournée vers le pied droit. Mais ce n'est pas vous qui tournez, c'est l'appui de votre pied. C'est le levé de votre bassin qui fait bouger votre tête. Dernière fois. Une fois que c'est terminé, vous allongez la jambe droite. Maintenant, vous voyez la différence entre la jambe droite et gauche. Est-ce que vos appuis ont changé du côté droit au niveau des mollets, au niveau des épaules et votre épaule droite, la hanche droite? Est-ce que votre côté droit est plus long? Maintenant, pliez votre jambe gauche. Confortablement. Vous allez appuyer avec les plantes des pieds. Vous allez légèrement lever le bassin. N'allez pas trop loin pour le moment. Il faut sentir chaque mouvement. Et vous redescendez. 3 fois, tranquille, sans aller très loin. Il faut sentir comment, avec l'appui de votre pied gauche, vous levez les fesses, comment le bassin bouge, comment la hanche réagit. Redescendez. Et encore une fois, vous gardez toujours votre respiration naturelle. Ne serrez pas les dents. Maintenant, progressivement, vous irez un peu loin, jusqu'à la nuque. Allez-y tout doucement, sentir comment votre tête réagit
comment la colonne vertébrale réagit avec le lever du bassin, avec l'appui de votre pied gauche. Normalement, la tête tourne vers le pied gauche. Et je redescends. Je descends aussi doucement que je monte. Prenez votre temps. Encore deux fois. Respiration naturelle. Desserrez les dents. Vous allez jusqu'à la nuque. Sentez la progression, la perception du mouvement. Sans dépasser les limites. Essayez de ne pas fournir d'efforts au niveau de la colonne vertébrale. La dernière fois, tout le monde. Le genou gauche va vers le haut et vers l'avant. Prenez votre temps. Une fois que vous êtes en bas, allongez votre jambe gauche. Et même pas sentir la différence. Essayez de voir s'il y a un changement au niveau de votre dos. Un changement au niveau des appuis. Maintenant, repliez votre jambe droite. Prenez les pieds au sol. Tournez les paumes de main vers le sol. Les deux. Vous allez glisser la main droite vers le talon droit. Mais tout doucement. N'allez pas, on va faire 6 fois. Donc 3 fois léger, sans forcer, juste quelques centimètres. On fait quand même tout doucement. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens en 5 temps. 1, 2, 3, 4. 5, dernière fois. Maintenant, dernière fois, tout doucement. Pas aller trop loin. Une fois que vous êtes revenu, maintenant, progressivement, on va aller plus loin. Allez, la main glisse sur le sol. Au niveau des côtes, côté gauche s'allonge et côté droit se plie. Je reviens tout doucement. Allez, deuxième fois. Respiration toujours naturelle. Desserrez les dents. La tête tourne au niveau de votre genou droit. Genou plié. Dernière fois. Et revenez. Si vous avez terminé, vous allongez la jambe droite. Remettez-vous confortablement, comme au début. Maintenant, est-ce que vous voyez une différence? Le haut du corps, du côté droit, par rapport à votre côté gauche. Est-ce que vous sentez une unité entre votre jambe droite et votre côté droit du buste?
Et est-ce que votre respiration elle est plus fluide? Est-ce que vous respirez différemment? C'est plus facile ou pas? Maintenant, pliez votre jambe gauche. Tournez paume de main vers le sol. On fait la même chose du côté gauche. C'est pareil, trois fois. On fait tout doucement. On ne va pas très très loin. Prenez votre temps. Deuxième fois. Troisième fois. Trois autres fois, on va aller plus loin, progressivement. Le but, c'est pas de toucher le talon, d'accord? C'est de sentir tout le mouvement de votre colonne vertébrale, les côtes qui se plient d'un côté, qui s'ouvrent de l'autre côté. Et dans tout ça, comment la tête perçoit les choses, comment les omoplates réagissent à ce mouvement. Tout ça avec une respiration naturelle, ventrale. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et si vous avez terminé, allongez la jambe gauche et remettez-vous confortablement. Maintenant, tournez la tête à droite. 5 temps. Prenez 5 temps pour tourner la tête à droite. 5 temps pour revenir fluide. Et 5 temps pour aller à gauche. Et 5 temps pour revenir au milieu. Encore une fois, on voit à droite à gauche. Est-ce que vous voyez une différence? Du côté droit, quand vous tournez la tête à droite, de quel côté est plus facile? Revenons au centre, respirez quelques instants. Maintenant, pliez les deux jambes, les paumes de main au sol. Maintenant, on va associer les deux mouvements. Donc, vous allez appuyer sur le pied droit. Levez le bassin droit, glissez la main droite et vous regardez comment réagit, sentez comment réagit votre côté gauche et revenez. Et maintenant, vous allez à gauche, la même chose. C'est parti, j'appuie sur le pied gauche, je lève le bassin. Avec l'appui, hein. Moi, c'est pas moi qui lève le bassin. C'est l'appui de mon pied gauche qui lève le bassin. Et ma tête réagit à ça. C'est pas moi qui tourne la tête. C'est ma colonne vertébrale qui veut ça. Donc, je laisse faire tous les mouvements. Seule chose volontaire, c'est mon appui. D'accord? J'appuie volontairement sur mon pied droit. Et les autres mouvements suivent.
Donc attention, le genou va vers le plafond et vers l'avant. Allez, je reviens. Maintenant, on va à gauche. N'oubliez pas votre respiration. Ne soyez pas en apnée. Dernière fois, droite et gauche. J'appuie sur le côté droit. Je lève mon, avec mon appui, le bassin, la hanche droite se lève. J'avance la main droite vers le talon. La tête tourne et je reviens tout doucement. Aussi doucement que je suis parti. Allez, retour dans le même timing. Dernière fois, côté gauche, j'appuie sur le pied gauche. Je lève le bassin, la hanche gauche. Ma main gauche avance vers le talon gauche. La tête tourne naturellement. Et je respire naturellement. Je reviens. Et relâchez les bras et allongez les jambes. Et observez maintenant comment les choses sont évoluées. Est-ce qu'il y a un changement dans le point d'appui niveau talon, mollet, le bassin? Au niveau du dos, les lombaires, le sacrum, les épaules. Bien, maintenant, vous faites une rotation interne avec vos cuisses, avec les pieds aussi. Les gros orteils se touchent. Donc, tournez. On fait une rotation interne. Les cuisses, donc comme les cuisses tournent vers l'intérieur, les orteils aussi, le pied aussi. Maintenant, on va faire une rotation externe. Les pieds tombent sur le côté. Pas que les pieds, donc rotation des cuisses aussi, c'est important. Et revenez, encore une rotation interne. Et rotation externe. Donc maintenant, dans la rotation externe, on va essayer de toucher les tranches extérieures des pieds sur le sol. Alors pour ça, on va plier les genoux. Voilà, une fois qu'on est touché et on allonge les jambes, on revient, on va faire une rotation interne. Externe. Tranche externe, les pieds touchent le sol. Donc on plie les genoux. Maintenant, on essaie de ramener les talons un peu plus vers le haut, c'est-à-dire vers le bassin. Et on allonge les jambes. Doucement. Et encore une fois, rotation interne. Rotation externe. Tout doucement. Plier les jambes. Toucher les tranches externes des pieds. Alors maintenant, en 10 temps, vous allez approcher les talons contre le bassin. Si ça ne touche pas, ce n'est pas grave. Tout doucement, fluide. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, vous allez descendre en 10 temps. 1, 2, allongez-vous. 3, 4. Les genoux sont sur le côté, ouverts. 6, 7, 8, 9, 10. Rotation interne. Et rotation externe une dernière fois.
En 10 temps, je ne compte pas. Maintenant, vous pouvez compter. Vous savez que c'est tout doucement, tout doux, fluide. Les tranches externes glissent sur le sol. Approchez les talons du bassin et restez les genoux ouverts, tranches externes sur le sol. Maintenant, ramenez les genoux contre la poitrine. Posez les mains sur les genoux. Et tirez votre genou droit vers vous. Éloignez le genou gauche. Tout doucement, hein? Ce n'est pas un cours de gymnastique, attention. On est à la détente. Maintenant, vous faites la même chose de l'autre côté. Je tire le genou gauche vers moi et le genou droit s'éloigne. C'est là, il est, je ne vois pas là. Et l'autre sens. Genou droit vers soi. Hein? Genou gauche vers la poitrine et genou droit s'éloigne sans effort. Moins d'effort possible. Aucun effort. Et revenez au centre. Maintenant, vous allez faire un cercle vers l'intérieur. Et un autre cercle vers l'extérieur. Et vous ouvrez les jambes. Posez les tranches extérieures de vos pieds. Posez les bras au sol. Allongez les jambes. Rotation interne de vos pieds, vos cuisses. Rotation externe. Encore une fois, vous glissez les jambes vers vous, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Gardez tranche extérieure des pieds sur le sol, ouvrez les genoux. Restez. Tout simplement, laissez votre corps se faire, la gravité. Pas d'effort, n'essayez pas d'ouvrir les jambes. Laissez le genou, voilà, tranche extérieure, sont sur le sol. Et maintenant, ramenez les genoux contre la poitrine, mais vous ne serrez pas contre la poitrine. Encore une fois, attrapez avec vos mains les genoux. Et maintenant, vous allez faire un cercle vers l'extérieur. Et un cercle dans l'autre sens. Maintenant, ouvrez votre genou. Gardez le genou gauche avec vous. Et genou droit, ouvrez sur le côté droit. Sans basculer, il n'y a que le genou qui va à droite pour le moment. Revenez. Les genoux ne sont pas collés à la poitrine, d'accord? Il n'y a pas d'effort, c'est juste je tiens, c'est tout. Encore droite. Je reviens. Encore une fois, droite. Et je reviens. Je suis au centre. Mes bras sont relâchés. Je tiens juste les genoux. Maintenant, c'est le côté gauche 5 fois. Je descends tout doucement sur le côté gauche. Je reviens. À gauche, je
Je reviens. Encore deux fois. Vous êtes au centre, vous faites un cercle vers l'extérieur, un cercle dans l'autre sens, gardez les genoux ouverts, posez les tranches extérieures du pied au sol, relâchez les bras, allongez les jambes. Et relâchez-vous. Observez votre respiration. Repliez les jambes, mais on replie comment? On tranche extérieure des pieds vers sur le sol, et on glisse les genoux ouverts, bien sûr. On reste un peu, genou ouvert, tranche extérieure sur le pied, sur le sol. Et je reviens, je ramène les genoux vers la poitrine encore une fois. Ok, cette fois-ci, vous allez ouvrir la jambe droite, le genou droit sur le côté droit. Et vous allez suivre le genou. Sans tomber. Et maintenant, je reviens au centre. Et je vais à gauche. D'abord le genou qui descend. Après tout le reste qui suit. Aucun effort. Respiration naturelle. Je ne tombe pas. Je fais tout doucement. Maintenant, je tire sur le genou droit et voir comment tout le reste de mon corps réagit. Je suis au centre. Et maintenant, je vais à droite, c'est-à-dire, quand je dis je vais à droite, c'est mon genou qui descend en premier. Avec le poids de mon genou, envoie, amène tout le reste. Pas d'effort. La tête tourne avec dans le même sens. Et observez aussi ce qui se passe dans votre colonne vertébrale. Maintenant, ouvrez le genou gauche. Vous êtes au centre. C'est le genou gauche qui descend vers le sol. Allez, descendez tout doucement. Observez ce qui se passe au niveau de la nuque, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la hanche, droite ou gauche, le bassin. Et maintenant, j'ouvre, je tire sur le genou droit. Et le reste suit aussi doucement que je suis allé. Allez, encore deux fois. Droite et deux fois gauche. Donc, droite. Le genou gauche qui suit. Et puis, tout le corps qui suit. Et la tête qui tourne avec mon buste, mais je ne tombe pas, je vais tout doucement. Maintenant, c'est mon genou gauche qui se lève. Et qui amène tout le reste. Je suis au centre. Et genou gauche qui descend sur le côté. Et puis, le reste suit.
Laissez tourner la tête. Levez les genoux droits. Laissez suivre tout le reste. Allez, une dernière fois, droite et gauche. On est au centre. Le genou droit qui descend vers le sol. Et nous, on laisse faire tout le reste. Ok, l'effort. Comme quoi, comme il n'y a pas d'effort, notre respiration, il n'y a pas de raison qu'on ait en apnée, parce qu'il n'y a pas d'effort. J'ouvre le genou, je tire sur le genou gauche. Respiration normale. On est au centre. Et c'est le genou gauche qui descend. Et le reste suit. Je tire sur le genou droit. Je suis au centre. Je reste au centre. Posez les mains sur le genou. C'était déjà posé, mais libérez les mains et reposez dessus. Voir s'il y a une différence au niveau des bras, si vous êtes plus à l'aise pour tenir le genou, si vous n'êtes pas plus confortable. Maintenant, vous faites un cercle dans un sens. Et puis dans un autre sens. Et ouvrez les genoux. Posez les tranches de vos pieds, tranches extérieures de vos pieds au sol. Allongez les jambes. Et puis relâchez-vous. Est-ce que vous voyez une différence au niveau des côtes flottantes? Niveau du dos, bien sûr. Est-ce que l'espace qu'il y a entre le sacrum et les côtes flottantes arrière, maintenant, c'est plus court ou c'est plus long? Est-ce que nos omoplates sont collées au sol plus facilement? Est-ce que mes points d'appui ont changé au niveau des talons, au niveau des pieds, les cuisses, au niveau des bras? Maintenant, tournez la tête à droite, fluide. Est-ce que vous voyez une différence maintenant au niveau de la nuque? Est-ce que vous allez plus loin avec la tête quand vous mettez votre tête à droite? Revenez au centre tout doucement. Et vous allez à gauche tout doucement. Vous revenez au centre. Vous allez une dernière fois à droite. Sentez la différence. Et à gauche. Revenez au centre. Entrelacez les doigts. Mettez derrière la tête et les coudes vers l'avant. La tête est posée dans les mains. Les jambes sont relâchées. Et puis, c'est mes mains qui vont lever, allonger la nuque, tirer la nuque. Et puis, lever la tête avec les mains. Arrondissez le haut du dos. Et redescendez aussi doucement que vous êtes monté.
Trois fois. À chaque fois, on pose la tête au sol. Et je remonte. Un, deux, trois, quatre, jusqu'au la tête des omoplates, les pointes. Et je redescends. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je remonte. Un, deux, trois, quatre. Je reste. Je tourne la tête à droite. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je reviens, bien sûr, cinq temps. À gauche. Je reviens au centre. Et reposez la tête au sol tout doucement. Et remettez les bras allongés sur le sol. Une dernière fois, une rotation interne de vos cuisses et de vos pieds. Une dernière fois, rotation externe de vos pieds. Posez les tranches extérieures de vos pieds au sol. Pliez les genoux. Ramenez les pieds avec les genoux ouverts vers le bassin. Et maintenant, levez les pieds, attrapez les genoux et ramenez les genoux vers vous. Vous allez avec les genoux, les deux genoux, hein, à droite légèrement et à gauche. Droite et gauche. Maintenant, comme on a fait tout à l'heure, genou droit qui descend sur le sol et tout le reste suit. Et je vais un peu plus loin. Je tourne un peu plus, un peu plus. Je vais me mettre à quatre pattes tout doucement. Je vais garder la tête relâchée. Je suis sur les orteils, le dos rond. Posez les talons au sol. Gardez les genoux fléchis. Relâchez les muscles. Attrapez les coudes. Relâchez les bras. Vous remontez, mais les pieds sont écartés à la largeur de votre bassin. Mais vous remontez vraiment tout doucement. Prenez 10 temps pour remonter avec un dos rond. Fermez les yeux. Comment vous sentez vos appuis sur le sol avec les yeux fermés? Vous pouvez marcher un petit peu. Faites un petit cercle autour de vous. Gardez les yeux fermés. Si vous pouvez, hein, essayez de garder les yeux fermés. Maintenant, un tour dans l'autre sens. Une fois que vous avez terminé votre marche, joignez les pieds. Vos orteils se touchent, les talons s'écartent légèrement. Comme au début, les épaules à l'arrière,
Est-ce que vous voyez une différence au début de notre cours aujourd'hui? Votre tenue, c'est-à-dire votre tadasana, votre posture montagne. Est-ce qu'on arrive à cette posture-là maintenant plus facilement? Les épaules se remettent en arrière. Sans effort, se met tout seul, la cage thoracique s'ouvre plus facilement. Mes jambes se tendent presque sans que je demande. Tellement c'est agréable maintenant. Maintenant, joignez les mains contre la poitrine. Appuyez très légèrement l'une contre l'autre pour placer les pouces contre la poitrine sur le sternum. La tête est toujours relâchée, les yeux fermés. On va chanter le Om une fois. Ceux qui n'ont jamais fait, donc je fais une fois. Donc je vais inspirer d'abord sur une expiration. Je fais Om en même temps. Je lève les bras et je ramène. Donc, j'ouvre comme ça et je ramène les mains contre la poitrine. On est d'accord? Allez, inspirez une fois. Expirez, videz tout. Inspirez. Messieurs, dames, namasté, merci, merci YouTube, donc rendez-vous lundi, merci. Bonne soirée à tous, allez dormir maintenant.